Hello tout le monde, c'est Juliette, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Qui dit début d'année 2024 dit nouvelle collaboration avec de nouvelles marques, de nouveaux projets pour cette année et je vous en présente un aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parti! J'ai été plus que gâtée, j'ai reçu un colis qui me vient de chez Hortz. Si vous ne connaissez pas, c'est un site qui revend beaucoup de produits d'équitation de différentes marques. Mais ici, on va s'intéresser aux marques mères qui sont Hortz et Bevertigo. Je ne sais pas si vous connaissez ces marques, dites-moi en commentaire. J'ai pu faire ma petite sélection d'articles sur leur site internet. Et c'est parti, je vous les présente. Chez Hortz et Bevertigo, on a des produits de toutes catégories. On a des vêtements pour cavaliers, pour cavalières, pour les enfants. Des équipements pour vos chevaux, du tapis à la couverture. En passant par les protections, les filets, on a vraiment un large choix de produits. Et j'ai pu faire une petite sélection pour El Diablo. On commence par s'armer d'un petit ciseau pour ouvrir, c'est mieux. Et on va commencer par ce colis-là. Donc personnellement, Hortz et Bevertigo, c'est des marques que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais encore eu l'occasion de tester. J'ai quelques copines qui ont des produits de cette marque-là, qui m'en avaient déjà parlé en bien. Donc trop contente de pouvoir découvrir cette marque grâce à vous. Alors, même si là, on va s'intéresser principalement aux marques Hortz et Bevertigo, qui sont les marques mères, j'ai pu sélectionner quand même sur leur site des produits d'autres marques. Et donc j'ai sélectionné ces protèges jarrets royales de chez Back on Track pour El Diablo qui me fait un peu d'arthrose à droite à gauche, que ce soit au niveau du dos, des membres. Donc je suis persuadée que les protèges jarrets de Back on Track vont l'aider à merveille pour s'échauffer et réchauffer ses articulations avant le travail. Ça fait longtemps que j'avais envie de les tester. On va déballer ensemble. Bon, je savais pas trop quoi prendre comme taille, j'ai pris L. Ça a l'air giga grand. Après, je pense que là j'ai l'impression que ses membres sont plus petits parce que je les ai pas devant moi. Mais ça reste un grand cheval, donc je pense qu'il y a du bon dedans. Petit scratch, hop, l'intérieur. Et la matière, c'est en Weltex, je crois qu'on dit. Ouais, Weltex, c'est une matière qui se sert de la chaleur du corps, créer de la chaleur dans le tissu et échauffer les articulations. J'ai déjà le chauffe-dos de la marque et j'adore. Le chauffe-dos, je vois une vraie différence quand je monte le Diablo avec. On continue avec la deuxième partie du colis. Il est super lourd et dans ce carton, on a donc exclusivement des produits de Hortz et Bevertigo. Je l'ouvre. La livraison a été super rapide. Ok, c'est ouvert. Attendez, je prends un petit tabouret pour poser le truc. Ok, je suis beaucoup mieux installée comme ça. Je me rapproche un peu de vous. Petit prospectus de chez Hortz. Il faut savoir qu'ils ont un site internet et ils ont aussi une application qui est trop pratique. Vous pouvez faire vos wishlists, mettre en favori des articles que vous avez prévu d'acheter, mais pour plus tard, pour pas les perdre, vous les gardez dans votre petite wishlist. L'appli est trop bien faite. On commence avec des bonbons. Ce sont des bonbons de la marque Hortz, donc ils font des friandises également. Et moi, j'ai décidé d'en prendre des 100 grains. Ils ont l'air vraiment pas mal. Je pense qu'El Diablo va adorer. El Diablo aime tous les bonbons. C'est le chat le plus gourmand que je connaisse, donc je me fais pas de soucis pour ça. Donc voilà, premier article de chez Hortz, des friandises. Deuxième article. Si vous nous suivez sur Instagram ou autre réseau, vous devez savoir que El Diablo ne peut malheureusement plus sauter. Il a une pathologie tendineuse qui fait qu'on peut sauter de temps en temps pour le plaisir, mais resauter, faire des parcours enchaînés à leur concours, c'est prendre le risque de redéclencher une boiterie. À ce jour, il ne boite plus, on l'a soigné, il a une fibre orthopédique pour ça. Mais voilà, on ne fait plus de concours et par contre, on peut quand même faire du dressage. Donc je me suis dit, si un jour on est très motivé à aller faire du concours de dressage, et surtout à ce que je m'achète une selle de dressage, parce que là avec ma selle d'obstacle c'est pas l'idéal. Il nous fallait un beau filet de dressage. Regardez-moi cette pépite, il faut que je le déballe. Il est trop beau. Deuxième étape, la muserolle. 10 sur 10 pour l'emballage, hein. C'est absolument incroyable. Il est noir comme ça, parce que je me dis si j'achète une selle de dressage, je la prendrai noire. Une grosse muserolle vernie comme ça, trop belle. Mon Lonus Band, il dégage à la vitesse de lumière. Frontal comme ça. Astras, des tirs anatomiques. Il est trop joli. J'adore. J'ai trop hâte de l'essayer à Diablo. Je pense qu'on va l'essayer bientôt. Par contre, je viens de capter qu'il n'y a pas de reine. Je vous mettrai toutes les références des produits en description de la vidéo. On continue. C'est également un produit de la marque Hortz. Il s'agit de guêtres de froid. Je n'en ai pas pour El Diablo. Enfin, j'ai des guêtres pour humains que j'utilise sur lui, mais qui sont pas idéalement positionnables, qui sont petites, enfin bref, qui sont pas faites pour les chevaux de base. Et donc du coup, je voulais trop des guêtres de froid. Donc c'était le moment de craquer. Je les ai pris de couleur noire, il existe plusieurs couleurs. Donc on a une grande guêtre comme ça, avec des scratchs. Vous la placez au congèle, à l'intérieur il y a des patchs de liquide qui gèle. Et ensuite vous la placez sur votre cheval.
après un effort, après un concours, à laisser en général une vingtaine de minutes. On estime que plus de 20 minutes, c'est pas utile. Donc voilà, elle est quand même super large, elle englobe bien tout le membre apparemment. On voit qu'il fait froid et que c'est l'hiver dehors, c'est un peu froid même. Je suis trop contente, il m'en fallait trop et elles ont l'air vraiment géniales. Et en plus, elles sont pas à un prix très excessif parce que Get 2 francs, on a un peu à tous les budgets. Donc voilà pour cet article du colis. Et on termine, dernier article du colis. Celui-ci, il vient de la marque Bevertigo, donc la deuxième marque de chez Orz. J'adore, il est trop trop beau. Attends, il est super joli. Il s'agit d'un sweat noir comme ça, avec le logo. Le logo est très discret, c'est très classe. La poche centrale au milieu, vous pouvez passer vos mains. La petite capuche, et on a pareil le logo sur la manche. Oh, et c'est même écrit Bevertigo comme ça dans le dos. Je l'essaye et je vous montre. Et voilà, j'ai enfilé le sweat. Il est super beau, j'adore. Très très beau. Un immense merci à Orz pour cette collaboration que je suis trop contente de démarrer avec eux. Et c'est là que je vous parle du petit bon plan que j'ai pour vous. Par cette collaboration avec Orz, j'ai bien évidemment un petit bon plan pour vous. Il s'agit d'un code promo Juliette10 que je vous écris juste là, que vous pouvez utiliser sur tout le site avec un minima de 80€ d'achat. Ça vous permet d'avoir moins 10% sur Orz, Bevertigo et les autres marques revendues par le site. Franchement, c'est une trop bonne découverte. Les produits sont hyper quali, sont hyper beaux. Un énorme merci à Orz pour leur confiance, pour cette collaboration. Je suis trop contente de découvrir leur marque et leurs produits qui sont vraiment exceptionnels. Je vous invite à les découvrir. Je vous mets tout, le site internet, leur Instagram, les références des articles dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures tous ensemble. Et je vous fais des bisous. Ciao !